lance une génération où Jezabel va s'éteindre. Kinshasa, Kinshasa, botte kabeso totonga nanwe. Bon fungola matoyi, boyo kansango oyo. A tembola tembola, bamboka mindele ya ndenge na ndenge. Ti suka suka, nzambe amemiye inde inde. Ti na porte ya lopango e. Wow, le docteur Paul Mukendi, apôtre ya ville ya Québec, Congolais oyo bamindele, babundisa balemba, mosali na nzambe oyo, atika satana na defo, na mboka Canada, yeyo, zambe atindi ye, noki noki awa na kati ya FDC, pona ete afungola lola, pekembo na nzambe, et qui tient en moque la République démocratique du Congo. Pour Nayango, du 28 au 30 janvier 2022, Nayango, le référent Paul Mukendi a allé organiser maman la conférence na thème Oyo. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire du vendredi 28 au dimanche 30 janvier 2022, à 16h na salle Mo Ararat. Oyo zomi na croisement des avenues de Zuleri na Itaga, référence Food Market. Trois jours mokoka, ye pakwa, yanguya, pe yabikamwa, papa, mama, boya et pele, koyo kalilo bananzambe, sans mélange, sans complaisance. La parole pure, oye lukila le reverend Paul Mukendi, persécution, na poto, Zoa et Botou. Aujourd'hui, ça devient même un débat dans l'église. Les chrétiens commencent à débattre à propos de l'homosexualité. Mais écoutez, c'est clair, ce n'est pas un sujet de débat. C'est clair dans la Bible. Et bongo pour na ba guérison, na ba délivrance. Et kozala yele ya kosangana te. Kozanga te, papa, maman, yaka ko assister na conférence Oyo du 28 au 30 janvier 2022 tozemengo na salle Mo Ararat Oyo Zomi na croisement des avenues de Zuleri na Itaga en face ya Wenze ya Besui Ozamo Bimba. Bokanisi esili, ten ten. Le référent Paul Mukendi a tielibino ba bis ya transport ya ofele ki chasa mobimbe kozala inonde. Pona yango, kota kaka kontak na bande koba organizateur na plus 243-99-99-95-733 oza mobimba. Eke yo, oui. Qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Paul Mukendi? Pourquoi milulu de prière na yezo salemate? Pourquoi programme de prière y a pasteur Paul Mukendi yezo salemate? Et là, on est les Bakangango, il chargé déjà deux fois adresse et salamité, Chobez, Pullman et salamité. Cette fois-ci, j'apprends que salama na food market, na Willery. Est-ce que salama cette fois-ci? C'est le Kanangila, confrère journaliste, na pesio mbote. Bonjour Ndeko Trésor Kalafai. Mm. Merci beaucoup pour l'invitation. Kakandenge utikoloba effectivement conférence biblique oyo Mosali Nzambe Paul Mukendi a organisé qui au départ c'était na Chobeuse. Chobeuse et Simbité, tiens, on a Pullman. Pullman peut Simbité, mais parce qu'il y a un message. Il y a un message pour les chrétiens qui sont les chrétiens congolais. Conférence, Éco-Salément, le 28, le 29, na, le 30 janvier. Oyo. Donc, trois jours. Na salle Otobengi, Mont Ararat. Hein, et ça, na food market. Il y a un mingi food market na Willery, croisement Willery Itaga. Et donc, il y a un conférence qui a beaucoup combattu parce que certainement, les gens savent que ça sera une grande bénédiction pour les chrétiens qui sont non chrétiens. Et donc, toi, pendant ces trois jours, baya, baouta qui s'insonga, ba matete, lemba, gombe, lingua, langalie, ma baya, na food market ya Willery, Moussa Lanzambe, azana bango rendez-vous.
thème échangé était Isaac, ne vous conformez pas au siècle présent. Avant à libérer, pourquoi ces changements, Chobeuse, Pullman et puis Bosukana? Bon, la principale raison à changement, c'est un message pour le Mukendiazana Yango. Message oyo elokelie ba montage non soyebi ya Canada. Son message c'est qu'azo yebisa na bana nzambe que homosexualité ezali soum, ezali péché. OK. Et donc yango moni ba salela ki est mon montage moko na Canada ici mbite. Aye na message wana awa et donc ba tnyo so baza ka ko se retrouver te na message wana. Donc bango nyo so baza au four et au moulin en coulisses pour na ko bundisa événement wana. Mais nous pensons que cette fois-ci est la bonne, le 28, le 29, na le 30 janvier, na food market, ne vous conformez pas au siècle présent. Bah, dans un million sur Baya parce que bus est cause à la gratuit. Information sur Nangina et c'est ça que Pasteur Paul Mukendi aye na na moi système ya sika. Oui, bien, Kishasa, tu mets ça na kaka, Moussa Lanzan, Bakopé, Soga, Oiza, mais en plus de ça, tika kaka na loba parce que ils ont na yo ki zo songa kaka na loba. Loba yango to sugisa. Pasteur Paul Mukendi aye kaka te kopesa na ba kinois na ba congolais o izaka ka ya molimo. Ndenge to mesana Kishasa aye pe na o iza matériel. Yango le 20 janvier na le 27 janvier azana rendez-vous kaka na salwana ya Mont Ararat ya food market a kopesa ba vivre na ba non vivre na ba chrétien kinois na ba non chrétien pe ezane ti cadeau na ye ya fin de l'année ou ya kopesa na bango. Donc il y a pas de condition, la condition c'est que soit que au commis avant tika na prière soit au commis avant aux huit macarons na yo après prière ba carton à socio kozala ba carton à loso. Donc comme ça na nzambe akosa neti ako fêter na ba chrétien na ba non chrétien parce que message aza na yango nzamba tindie po ape sango na ba chrétien na ba oyo bazana na ba chrétien. Donc on a encouragé na ba kino bo se mobiliser ba grand chantre chrétien non boyibi ba kozala kuna. Et donc le 28, le 29 na le 30 janvier pour tout le monde à Kishasa. Merci Sele Kanangila du 27 au 30 janvier na food market na Willery na croisement Willery Taga pasteur Paul Mukinda koyawana ne vous conformez pas au siècle présent. Mais à ma lame surprise vous allez que pasteur Paul Mukinda kokaba akokabola biloko ba vivre. C'est-à-dire loso piodi poulet na ba non vivre pays condition ezali kaka moko oyeta ngozo kota kota ka priete senga macaron na ba benga so jeton o singa ngotango zo bi moko ta ba camion za wana o la kisika jeton ju sa ki na o za na monta o mais pasteur azo tuna niveau ba tu ba ko ya priere pour ça janvier est-ce que vous voulez que ça non mais système pasteur mukendi eza pe makambo banda ko sala ta na Canada kuna akopesa yo ya molimo apesa pe ya o iza matériel pour que ko sunga yo. Merci Sele Kanangila, vous avez invité la mission Mokola à vendredi. Déjà, on a annoncé en gros à la plateau. Tous les éléments Mokola avant de présenter une invité la mission permanente à Mokola Lelo. Est-ce que Bukangalon Zoana Massango Zobimakaka, tout bilango basala qui a chambre Nezokola? Tous les éléments à la présenter. À la suite d'une alerte lancée à l'endroit des autorités compétentes que le groupe des députés, constitué de l'honorable Eliezer Tamboué, Ogi Kalonji et Sherbin Okende, actuel ministre des Transports, ensemble avec Ados Ndobasi, avaient effectué en date du 6 avril 2021 une enquête parlementaire sur les sites de Bukangalonzo. Leur enquête a permis de mettre en lumière sur des tonnes et des tonnes de maïs produits en train de moisir au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Information donnée par les députés nationaux Ados Ndobasi qui lance un cri d'alarme en direction du gouvernement congolais. La République démocratique du Congo, avec ses 27 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, est actuellement la plus grave crise de faim au monde. Un Congolais sur trois vit en insécurité alimentaire. Mais comment le pays ose se permettre d'abandonner par mauvaise foi des tonnes et des tonnes de maïs qui auraient pu assouvir tant soit peu cette crise? Allons croire, cette situation est justifiée par l'impaiement de personnel de Bukangalonzo affecté à la moisson, a-t-il dénoncé. Des agents du parc de Bukangalonzo nous ont appelés hier en larmes pour nous faire savoir que la situation n'a pas évolué, que plus de 800 hectares de maïs moisissent
parce que les personnels du Bukanga Lonzo affectés à la boisson n'est point payé. L'élu de la FUNA sur la liste des décidés avait même déposé depuis le mois de mai dernier une question orale avec débat adressée au ministre de tutelle afin d'avoir de précisions sur cette situation. Cependant, le bureau de la Chambre basse au Parlement n'a toujours pas programmé la dite question, a-t-il ajouté. Nous avons déposé depuis le 11 mai 2021 une question orale avec débat à l'actuel ministre de l'Agriculture pour un éclaircissement sur cette situation. Lettre morte jusqu'à ce jour. Avec un peu de volonté politique, ce parc peut devenir l'un des plus grands réservoirs alimentaires du pays, surtout pour sa partie ouest. Un bon projet capable de donner des milliers d'emplois à nos compatriotes. Si le gouvernement congolais n'a pas besoin de ce maïs, cher honorable, nos électeurs, eux, en ont besoin pour survivre. Ados Ndombassi estime que par ailleurs, qu'en dépit de toutes les bavures financières enregistrées, les détournements en cascade constatés depuis sa création jusqu'à ce jour, le parc de Bukanga Lonzo n'est pas un projet à négliger. Merci, Nikamba Bukanga Lonzo. On a évité, est-ce que ma sangoune zo bota topé bon na zonga na zo boya ko benga ngona lingala na benga ngwa ta na français chanvre nde zo bota kuna na boya na lingala ko ya osala etungisa ba sensibilité mususu. Émission bilan, quel est le bilan parlementaire, quel est le bilan sur terrain, ya honorable Ados Ndombassi, et pourquoi cette tenue 3 ans après? Atosu ba mona yango tenue ya campagne, je me rappelle encore de cette image à campagne, Ados parle. Et pourquoi cette tenue 3 ans après? Honorable Ados Ndombassi Elia Funa, député national, membre et cadre à ICD la PCO Mbote. Mbote, de Konanga, trésor Kalafay. Mbote, na bande Konyo Sobala Nabiso. Bonne année Nayo. Bonne année, na bande Konyo Sobala Nabiso. Ba régisseur, grande équipe, bien sûr, à Congo Web. Je pense à Nakulu Tunanga Peshabani, à qui je souhaite une bonne année. Et aussi à mon grand frère Gilbert Viladi. Merci, honorable. Bonne année à tous. Tenio na moni ekomiko lemba, teniango ekomiko lemba, ekoti fer mingi, keba pressing ebele. Pourquoi cette tenue 3 ans après? Mais parce que je me suis dit qu'il fallait se lancer la politique avec un message. À voir ce qui s'est passé en politique, et bien là c'est Bill Sangate, en tant qu'opérateur culturel. Je me suis dit, ceux qui n'ont pas de politique, il faut n'ont pas de message moko. Après, il faut la faiblesse et la République démocratique qui ont été wapi. Et ça, c'est canine. Narota la Raïm nationale, la Bissou Balobi, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ah, mais Narota la réellement, en réalité, comme la salaire moussalaté. La preuve en est, c'est quoi? En 1960, les Belges, la Bissou indépendance, bâtiquent les Bissou 145 000 km de routes. 62 ans après, le Congolais indépendant n'a construit que 13 500 km de route. Pourquoi? Parce qu'il y a un fainéantisme qui s'est installé dans la classe politique congolaise. Alors, Elamba Oponanga, ils ont représenté Moussala. Si nous voulons avoir un grand pays, nous devons nous mettre au travail. Mais, Elamba Oponanga, qui a cette humilité? Tu penses? Dekonanga. Elamba Oponanga, cette humilité, pourquoi? Veste, costume. Et bomi mbokao. Lolendo. C'est-à-dire Lolendo et bomi Kongo. Et Kossi me pèse à Lolendo. Tu sais, je me souviens souvent des Chinois. La Kalatolan film chinois. Bas saleté. Mais les lots, la Chine est une grande puissance. Au bisou qui même les États-Unis. Bah grand voix, bah toi, Bosaka. Bah là, t'as un costume. T'sais. Mais bisonné à Onagata Kongo, frime et l'équi. Mosala moke, Lolendo et belé. Mais, n'aura son ni de Konanga Kalafai, n'a là ta costume. Pendant que ton voisin a faim. Mais tu as la mingi sou ta costume, mais tu as la yemoko, mais pour la yemoko. Es-tu heureux tant que tu n'as pas tout canaïo, au commun la victoire, ma boule en dengwana? Es-tu heureux tant que tu as mon anzela, na costume naïo, pendant qu'il y a 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire? Es-tu heureux, politicien congolais, y a construit la costume, pendant qu'il y a certains enfants, à la moukina tango, tina boutou, à jouer à ta ma sango, tchana libomouti? Donc, pour l'anga, cet habit représente le travail, l'humilité, mais le dynamisme. Parce que je pense qu'un homme politique doit être dynamique. Avant, Tofongola,
Bitumba, ce n'est pas Bitumba, mais on parle nation, on parle État, on parle bilan 2021, production parlementaire et production sur terrain. Qu'en est-il de Bukangalo? Si on a la honte à Bongo, vous avez aussi les temps, et puis, ici la Bongo? Bon, mon frère, Likama Bukangalo, comme je l'ai dit, merci parce que pour m'avoir reçu, pour tout ça, là, moi, bilan, il y a parcours en 2021. Bukangalo, nous avons pas na soni ndeko nanga mais les dernières nouvelles les camoupe y a égoïsme non Bukangalonzo il faut expliquer à peuple congolais ce qui s'est réellement passé dans au biso to ki na la mission parlementaire pour na comme Bukangalonzo na zalaka nga moroti to zalaka na ba député mususu ba okikalonji ndeko Eliezer honorable Cheribel Okende na idée na biso ezalaki ke to okuta iloko moroti na Bukangalonzo mais on arrive sur place to kuti que oh Batabukangalonzo, balona plus de 1500 hectares à Massango. Donc à peu près 6000 tonnes. Donc 6 millions de kilos. Mais malheureusement, le gouvernement congolais a boyaka ko bimisa mbongo pour babuka Massango. Donc il y a eu beaucoup de pertes. Et puis même Massango babuka ndambu, ba kotsana ba silo, Massango msusu et pola nango. Parce que le gouvernement congolais a refusé yakopé sa mbongo pour ba récolter Massango. Malheureusement. Et après, tant que ça, il y a une enquête, il y a qu'on découvrir qu'il y avait un projet, quand on a la présidence de la République, orienté par certains conseillers de la présidence de la République. Ben, l'inginini, batte ka Bukangalonzo, pour batcha, batte ka Bukangalonzo na firme au Canadien, pour balona diamba, pour des fins pharmaceutiques. Ah, ok. Et le quoi, il est qu'il a abusé fort, cher. C'est pour des fins pharmaceutiques. Non, 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 mais cher ami, dans ce pays, le Congo, la République démocratique du Congo, tout ça, on a besoin. Il y a Massango, tout ça a besoin de Diamba. Non, Diamba a un objectif pour des fins pharmaceutiques, mais aussi de consommation. C'est le même Diamba. Non, pas, Négolanga, déjà dans ce pays, où il y a une réglementation, il y a une clarté. Yébisanga, Bourécha, Diamba, à quelques kilomètres de Kinshasa, déjà regarde comment la jeunesse congolaise est commis vulnérable. Naba Bombé. Naba masanga moko ba agene. Lelo okumi okuta na jeune à 6h du matin, c'est à langue. Maintenant aujourd'hui, pendant que la population faim, vous préférez côté que langue ba canadien pour ba lona diamba. Non. Nous n'avons pas accepté cela et c'est pour cela même que nous avons posé, adressé une question orale avec débat na ministre de l'Agriculture. Et souka wapi ozaki yo moko tendo ngozo présent ozaki et tout louku ya ba député, les députés ont toyebi bango bokita kana terrain normalement vous avez été victime ya attaque ya ba policiers moko qui n'ont pas compris démarche na bino mais et souka wapi le malheur y assemblée nationale ezali que dictature s'est imposée. Le vieux Mbosso, malheureusement, papa Mbosso, malheureusement, a zopé sa possibilité de s'exprimer. Natigaki, question orale avec débat, Isa Awa, question orale avec débat sur l'affaire Bukangalonzo. Mais malheureusement, le bureau Mbosso, na bureau, il y a Jean-Marc Kabound, va vendre la dossier Oana. Parce que souvent, tout le barra dans un bureau Mbosso. Mais on oublie qu'il y a un premier vice-président qui s'appelle Jean-Marc Kabound. Le barra toujours bureau et président. Non, c'est-à-dire aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est un homme influent dans le bureau Oana. Donc, tant que la question avec des bases de l'écarté, c'est les deux personnalités là qui bloquent. M. Mbosso et M. Jean-Marc Kabound. Donc, malheureusement, affaire à Bukangalonzo, ils ont été alignés. Mais nous, ça n'aura pas si. Qu'on se le dise au moins. Nakata Congo, vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Mais la NDC ne trouve aucune solution. Et préfère aujourd'hui que le parc Bukangalonzo soit déstabilisé. Je trouve cela anormal, Nikolanga. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui d'assurer la grandeur? Mais après nos enquêtes, tu découvriras que c'est un Libanais, un Chinois, un Pakistanais. Ils ont besoin de que Bukangalonzo existe. Non, Bukangalonzo n'a pas besoin. N'a pas besoin parce qu'ils ne veulent pas que la RDC ait comme une autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire quoi? Lingito liaka, l'osso et Utalibanda, on comprend? En complicité d'un général et d'un politicien, c'est belle. Précision, c'est clair. Parce que Bukangalonzo n'a pas besoin. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ezali, comment je peux dire, Ezali, groupe, il y a un individu. Baza na kata ba douane, baza ba expatrié, baza na kata armé, baza na kata politique, baza na besoin commerce na bango, y a Massango, commerce na bango, y a l'osso, ba ligné en fait que la République démocratique du Congo
Atikala, dépendant de l'extérieur. Prenons aussi un autre exemple, Nekolanga. Ceux qui savent Natokota. T'as l'exemple, Moussou Nekolanga. Aujourd'hui, la RDC, nous le disons tous les jours, que tous les potentiel Moko et Yamunene, 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons 4 millions de terres irrigables, c'est-à-dire Ponaloso. Donc normalement, RDC, Namabele, tous a besoin de l'océan Talibanaté. Le potentiel à Congo, vous allez capable, végétation n'a plus capable, il y a plus de 46 millions de bovins. Bangombe. La densité halieutique à Congo, il y a 700 000 tonnes de poissons par an. Mais au Komona, Namopandi Moussousou, les dirigeants congolais préfèrent Basomba Mbisi. Nanakati, parce qu'on n'a pas de chalutier. Non, c'est pas. Mais mon cher. Mais si, mais si vous n'avez pas de chalutier, achetez les chalutiers. Si vous n'avez pas de chalutier, achetez les chalutiers. Mais avec le potentiel que vous avez, qu'est-ce qui manque d'investir dans le secteur agricole? Parce que le secteur agricole, et qu'on peut savoir emploi, n'a pas jeune nios, oh, bah, mais là-bas, bombé. Mais le secteur agricole, et qu'aussi sa famine, et qu'aussi sa malnutrition, et qu'on permette paix à la République démocratique du Congo, et comme Manaba devise. Merci, on qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'investir dans Mabélé? C'est ce que nous demandons. Toutes les grandes nations, aujourd'hui le secteur agricole, agroalimentaire, rapporte à la France plus de 80 milliards d'euros chaque année. Mais nous, la RDC, nous sommes 4 fois plus grands que la France. Nous sommes 4 fois plus riches que la France. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux autorités congolaises? Le malheur du Congo, c'est quoi? C'est que nos autorités adorent la facilité. Bah, vous préférez Bakine, qu'on soit cobalt. Bah, préférez diamant, cuivre, la facilité. Merci, on préfère que Mbomoyouta, Naba Déchem, Naba Douane. Aux hommes, un pays doit vivre de ses terres. Voilà. Merci Topoussana. Tout bien allé mission bilan. Bilan inorsala. Yo lokola mon ponami yo lokola mon lobeli a peuple parce que peuple a bizif ma benga ba journaliste ba lobeli a peuple te ba lobeli a peuple za ba député. Monsieur se ba ba lobeli a peuple te en termes de production parlementaire. O salinini, o rino ro loba awa. O rosa o tambola ko kotaki na bandalo, talaki terrain municipal o kotaki na boye. Mais pas au terrain municipal les bonga to sala go fsingi pression et ou tanaka tanda ko wana. O salinini. Tu sais ndeko kala fay na attribution à député, c'est vrai. O sali wana pour na légiférer ba loi. Pour na copé ça République démocratique du Congo budget. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Okay. Alors, dans la première législature, je me suis dit que je vais me concentrer sur le contrôle parlementaire. Okay. Je me suis toujours dit, dans le pays où, le jour où le député a réellement mon salaire dans le bango, au moment où il y a un mot qui est au-dessus de la moine de la. Non, le député a un salaire dans le bango. Mon salaire dans le bango, c'est la IGF. Okay. Les députés. Et ça, c'est une macasse, surtout là, à Dos Nomasi. N'aura pas si mingi na rata motema. Cette année, n'a adressé plus de 11 questions orales avec débat. 11 questions orales. 11 questions orales avec débat à des ministres. Ok. Bah répondre à combien déjà? Aucune. 11 questions orales. Aucune n'a été alignée par le bureau Mbosso et le bureau Jean-Marc Aboun. Aucune question orale avec débat. Pendant que Moussa la députée, ceux qui doivent ça la contrôle parlementaire, tous les ministres Obaï Barambon, Barobanga. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est l'IGF qui fait notre travail. Dans ma question orale avec débat, j'ai adressé par exemple une question orale avec débat dans ma Kamou Oyo, il y a insécurité. Les bavures policières des Konanga. Aujourd'hui, la police a comment la police Mobomi. Je veux adresser question sur. Adresser question orale avec débat sur la sécurité. Ok. Ils ont manifesté dans Kinshasa par rapport. Il y a police Ningazo Bobambatou. Je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé. J'ai demandé à ce qu'on aligne la question orale avec débat. On a refusé. J'ai fait passer cette question orale avec débat comme motion d'information à niveau de l'Assemblée nationale. Malheureusement, le président Mbosso a boi d'intervenir. Mais tant on a intervenu dans le Parlement, on a écouté la maman d'Angaté, on a écouté la papa d'Angaté, on a écouté la balle qui d'Angaté, on a écouté la banane d'Angaté, on a écouté le peuple congolais. A boi intervenir, c'est-à-dire à boi refuser. Et puis, dans ma Makambo Oyo, Nabalaiko tchana mesa, et ça y a qui dit.
Tu sais, ce n'est pas parce que tu invites un ministre dans l'Assemblée nationale qui va au Bengalay, va au Longolay. Tout le monde a rien à France. Il y a des débats démocratiques dans l'Assemblée nationale là-bas. Au Comment la ministre, bah, ministre, bah, je pense, chaque mercredi ou vendredi, la France. Et il y a réellement un débat au second. Namitou Nangai, l'insécurité, qu'est-ce que j'avais demandé? Combien on paye à un policier congolais? Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, le policier congolais est très très mal payé. Vous vous comprenez? Mais au-delà de tout ça, quelle est la formation de Pesaka, de policier Nabissou? À part cela, le Lengeni va recruter de policier Nabissou. Les logis, j'ai l'impression que la police, comment qu'on recrute Kuluna? Chaque jour, la circonscription n'a pas bien. Chaque jour, les gens m'appellent honorable, insécurité et Zamakasi. La police et autres tracassés, biso Makasi. Nassali que question orale avec débat et comment, à niveau Assemblée nationale, baboui. Mais à part cela, encore une fois de plus, na tout ni na ministre intérieur, biso. Pourquoi policier congolais a tamboularana ba Kalachnikov? Armes de guerre. Armes de guerre. Bah, ouzi, et ça, bah, armes de guerre. Dans un pays sérieux, le policier a tamboularana ba armement sécuritaire. Tout ça peut-être payé à post-conflit. Non, mon cher ami, non. Il est clair que la police a une vocation civile et non militaire. Donc ce n'est pas normal. Oh mon adjib, ma soldat, non, ma police, c'est ma policier, n'est-ce pas? Ce n'est pas logique. Bref, voilà un tout petit peu mon travail parlementaire, c'est de dénoncer trop d'abus, trop de morts. Question orale avec débat. Tout à fait. Mais je aucune pense que... aucune n'a eu satisfaction. Aucune n'a abouti, malheureusement. Aucune. Mais au Romain, il y a certaines questions orales avec débat. Oh, bah, les kissa, ils allaient à une union sacrée. Pour la visibilité. Vous pensez que une question aussi importante, le rôle à la sécurité, bah, vous tiens de côté pour la question à l'union sacrée. Mais nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux dans ce pays, cher ami. Les gens qui dirigent ce pays ne sont pas sérieux. Les gens qui sont aujourd'hui à la tête des institutions ne sont pas sérieux. Parce qu'une question aussi fragile, comme la mort d'un homme, mais pas d'un seul homme, de plusieurs hommes. Prenons le cas de Nakobi Namakala. Moutoumou a été gagné des noms, comme les Mouna Mayasi. L'étudiant Okufaki, Honoré Chamakwete, il y a un réel problème. Mon cher, sur des questions aussi fragiles, quand un député vient présenter cette situation, je pense qu'il faut même tout arrêter. Il faut tout arrêter et aligner cette question orale avec débat. Mais malheureusement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, attend l'année paisiblement, calmement. Les généraux, calmement, ils ne sont même pas inquiétés. Mais comment est-ce que Bangabi sauté? Je pense que tu as l'élément, il y a vivement au monde. Tout à là, comme ça, les quatre questions orales avec débat, et puis tout à l'élément où il y a dossier. Il y a Makambouya insécurité. C'est parti dans le niveau régime. Les 11 questions orales avec débat et vous trouvez satisfaction. Connu comme étant le temple de la démocratie, lieu par excellence pour permettre aux élus nationaux de s'exprimer et d'informer la plénière sur la situation sociopolitique et même économique du pays, à ces jours, ces temples de la démocratie n'est resté que des noms car la réalité sur terrain est tout autre. La dictature au sein de la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a élu domicile. L'une des plus grandes victimes, c'est l'honorable Ados Ndombassi, élu de la Founa. Difficile pour cet homme à la salopette orange de prendre la parole. Ses motions et questions orales avec débat n'y sont jamais alignés. Ados Ndombassi est victime d'une injustice grandissime. L'effet remonte lors de la dernière plénière où le speaker de l'Assemblée nationale a ravi la parole à cet élu de la Founa, ordonnant au service technique de fermer le micro pendant que le député national Ados Ndombassi était en train de faire l'exposé de sa motion d'information sur la mort de l'étudiant Honoré Kachamakwete de Rise Mémoire. Honorable membre du bureau, très chers collègues, au mois de mai 2021, dans le village Nsimba, secteur de Lobo, territoire de Fechi, dans la province du Kwango, plusieurs élèves ont été blessés et autres biens de valeur extorqués par un groupe de policiers non autrement identifiés. Le 10 juillet 2021, une bavure policière dans la commune de Makala a provoqué la mort de M. Ngunda Mayasi, lâchement abattu par un agent de police.
Deux semaines après, soit le samedi 24 de ce même mois de juillet 2021, l'étudiant Honoré Chamakwete de l'UNIKIN a été exécuté de manière froide par un policier. Collègue, collègue. Le 28 juillet. Non, non, non. Collègue, Nini Boy. Président. Non, moi j'ai été au dé, là. Tika Moni dit ce soir. Tika Biloko Wana. Non, Tika. On écoute pas le micro. Malgré les supplications de l'honorable Adnos Nombassi, le président de la Chambre basse du Parlement a opposé un refus catégorique à sa demande. Je vais citer le nom des gens. Venez nous voir au bureau. Venez au bureau. Venez au bureau. Venez au bureau, on va attaquer ce problème avec vous. Venez au bureau. On m'a payé là-bas dit Tika Bilowan. Ah non dit. Vous voulez faire la publicité ici. Laisse ça. La liberté d'expression garantie par la Constitution semble n'avoir plus d'importance au sein de cette chambre basse du Parlement, car refuser à un député national son droit le plus légitime de prendre la parole, c'est mettre fin à la démocratie que beaucoup de nos compatriotes ont donné de leur vie pour son installation effective en RDC. Dans le souci du bien-être de la population congolaise travaillant dans les entreprises privées, et de préserver les petits commerces pour les nationaux, le député national Adnos Nombassi, élu de la FUNA, a déposé ce jeudi 2 décembre au bureau de l'Assemblée nationale 4 questions orales avec débat, dont une adressée au ministre des ITPR et 3 autres au ministre de l'Économie nationale, de l'Emploi et Prévoyance sociale et de la Défense nationale. Pour l'honorable Adnos Nombassi, il est incompréhensible que plusieurs routes de la ville province de Kinshasa soient dans un état de... Merci, Valdez. La régie Alba Image, Clovis, Clovis, Audrey Maquel. Honorable, je suis au plan, il y a un bureau, je crois que c'était un message, il y a un bureau, autant qu'un bureau, au solo de Nini. Non, mais mon cher frère, je pense que Makambu Yasmin National et le Bamara Nacher, et le Bamara Nacher, bureau, t'es. Et puis quand je suis allé au bureau de l'Assemblée nationale, le président Azala a raté, malheureusement. Je suis allé à 3 jours de suite, Azala a quitté. Peut-être qu'Azel m'a problème privé, Naé. Mais je pense que Makambu est sérieux, le Lengiwana. Il faut Elobama na chair. Pour que ma Congolais se baïoka, qui est toujours défendre Bango, pour que ma députés nationaux va trouver solution. Et si possible, interpeller le responsable, il y a sécurité, Nakati, il y a ville à Kinshasa, ou Nakati, la République démocratique du Congo, parce qu'il faut savoir ceci. Les bavures policières, ils ont raté Nakata Kinshasa. Les bavures policières, c'est aussi à l'intérieur du pays. Même la Kwango, la province, il y a président Mbosso, il y a eu des bavures policières. Il y a des enfants qui ont été tabassés là-bas. Aux Omona. Président, so, il y a eu tika populisme. On dirait Bazo reprocher les Kambouana à populisme. Oui, mais je suis étonné quand même, cher ami. Moi, de ce nombassi, il y a député national de défendre le peuple congolais. Mais Bozo Bissanga qui lance à la populisme. Président, il y a eu tika populisme. Mais Zali Passimi, il n'a pas ta beauté, ma chère amie. Donc, on tue des Congolais. Je viens défendre ces Congolais. Les familles qui ont été victimes. Et vous dites que nous, Adnos Nombassi, n'a pas ça le populisme. Des fois, je ne comprends plus le Congolais, cher ami. Je suis totalement perdu. N'a pas ça le populisme. Quand le Congolais souffre et je viens intervenir, vous dites que nous, Adnos Nombassi, je fais du populisme. C'est de la même manière, dernièrement, nous étions à l'Assemblée nationale. Nous avons dénoncé ce qui se passait par rapport aux conditions de travail à Ba Congolais. Aujourd'hui, Ba Congolais, Ba Koma, exploité par des étrangers. Les Congolais, assassinent un contrat de travail. Les expatriés, Ba respectera smigité. Ceux qui ont adossé dans le lobby, Bolobi, qui ont les populistes. Les Congolais, aujourd'hui, sont traités comme des esclaves, Nakata Mokanabango. Et nous adossé dans le bas, j'interpelle le ministre d'Emploi et de prévoyance sociale. Vous dites que Adnos Nombassi, je suis populiste. Peut-être manière de communiquer na yo. Manière de communiquer dans Aizanine. J'adresse une question orale avec débat, cher ami. Osomona. Comment tu vas dire que Nazali populiste? Tous les cas, par exemple, au Salamaki, il y a ma petit commerce. Nous avons adressé une question orale avec débat. Na ministre Ouattali Makamou, il y a économie. Sur la question. Non, par rapport à ma policier. Bonjour, biso awa tozana kingabwa. Ba policier journaliste, je n'ai pas bien compris. Ba tela biso awa ndeng
awa ndenge bazo nyokola bato grave honorable Ados Ndombasi lobela biso na notolembi. Mais c'est ça que je suis en train de dire, Ndekolanga. Ceux qui défendent le peuple congolais, balobi qui lance à la populisme. Cher ami, moi j'avais dit ceci. Ndekolanga qui na clip na campagne que je vais dénoncer. Il y a en même temps une corruption qui est au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons dénoncé. Corruption qui en 2021 mais tant corruption y est, il y a une grosse corruption. Ndekolanga Kobo Sanaté, il y a une palissade. Mais oui, Ndekolanga, je le dis clairement. Si Makolouka qui vous voit, vous avez un retard, vous avez un jeep et vous avez un niveau. Cher ami, non. Je suis la blague de la Congo. J'ai du respect pour ce pays. Aujourd'hui, j'aime mon pays, mais je ne suis pas fier de ce pays. Et alors, il faut aujourd'hui redorer l'image de la République démocratique du Congo. Marmadji Palissade, dans le bas, dit clairement que Nakotika la rozoangote, et puis Narozoangopete. Et puis, je le dis clairement que ceux qui n'ont yuki kakao, tata moi, snanga, a kenego zulanga la 18 heures, n'a dos no massi, na tiki politique. Ceux qui m'ont nanga, a kenego zwa jipwana, à 8 heures du matin, n'a dos no massi, na tiki politique. Je le dis clairement. C'est pas cadeau, c'est un bon ébélé. Tout le monde rêve de circuler avec, dans une voiture de 50 000 dollars. Une voiture 0 km, n'a sachet. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est inopportun de circuler avec une Jeep qui coûte 50 ou 55 000 dollars pendant que Bana Moussousou, Kakana Kinshasa, Batanga Nicolo Babrique, Baso Vandi la Babrique. Et ça, la Bissika Moussousou. Bana classe, na minute oyo, ceux qui moulent les bêtes, bah pour la mais vous avez le pouvoir de changer. Donc, cher ami, en tant que député, de Palissade. Et puis, je pense que tu mettras la conférence de presse. Oyo tout ça là qui, parce que je ne suis pas le seul. Tous les députés SID, ou le président élu Martin Fayulu, Toboya qui bah Jeep Palissade, c'était bien clair. De la sang à monter. Il y a l'honorable Charlotte Massiala qui a refusé. Il y a l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Il y a l'honorable Mambo. Bisounioso, Toboya qui d'honorable Ndombasi, Toboya Kozoa, Badjipwana. Pourquoi? Parce que Tolanda qui, premièrement, président Mbosso, Mama Lobaki, Alobidin, Badjipwana est un cadeau, il y a président de la République. Non. Le président de la République ne peut pas donner des jeeps à des députés, ça s'appelle de la corruption. Président de la République, Nabiboy, ça s'appelle. Non, papa Mbosso, Alobaki, que, est un cadeau, il y a chef de l'État. Et à Kopé, sans peine, il député. Nyoso, c'est-à-dire aux à la opposition, aux à la majorité, non, nous disons non, tokozo ya ngote. Mais à part cela, il y a eu beaucoup de scandales financiers. Pour la Longola Mabunda, qui a proposé chaque député 14 000 dollars, que nous encore nous avons refusé. Mais, cher ami, je l'ai dit, et la conférence de presse, je l'ai redit encore une fois de plus, cher ami. Mais à part cela, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, injustice aux salamalelo. Bah député Nyon, c'est une sacré. Bah qu'il a reçu 1000 dollars de plus qu'il va débuter Moussous pour l'année. C'est-à-dire. C'est la zéro. Honorable Lobé en Mbao. Oui. Ça dit un moliment à Bino. Oui. Les deux moliments à sacré. Bah ça a 1000 dollars. 1000 dollars de plus. Parce qu'il va dire bah député, il y a une sacré. Yébisanga. C'est caboy. Mais Nazo Bissou, il y a combien? Mais depuis Nyon sacré, ça va combien? 300. Je pense que 375, 70, cher. Donc chaque mois, bah ça aura 1000 dollars parce que Bazali va député. Il y a union sacrée. Donc bref, cher ami, je le redis encore. La corruption s'est installée au niveau de l'Assemblée nationale. Cher ami, Nazan Asoni Makasi. Ce matin, je regardais le rapport, il y a FMI. FMI est classé RDC 5e pays le plus pauvre au monde, sur les 195 pays reconnus par les Nations Unies. Nous sommes le 17e pays le plus corrompu au monde. En Afrique, nous sommes le 5e pays le plus corrompu d'Afrique. Mais mon cher, comment les gens peuvent vous respecter? Quand toutes les ambassades sont au courant que le député Nabino, qui va palissade comme corruption, cher ami. Mais il faut avoir le courage de dire non. Mais c'est un message que j'envoie à la jeunesse congolaise. Nous ne pouvons pas vendre notre pays pour une Jeep palissade. Nous ne pouvons pas vendre le Congo pour 1 million de dollars, même pour 1 milliard de dollars. Il faut arrêter ça. Cher ami, non. Si un député national va avec une moto dans l'Assemblée nationale, c'est qu'il est irresponsable. Parce que mon Otozoaka est coquille sous ma taquette. Osomola. Donc moi, Ados Ndombasi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Mais je préfère, au tchat conférence de presse, au moins à comment, nous avons dénoncé cette corruption. Et même à l'époque, nous avons demandé au président Mbosso de démissionner. Voilà. Ah, révélation Bimia Oza que ma députée à Union Sacrée, Bazoaka 1000 dollars de plus. Lobby n'a pas la liste à ma députée à Union Sacrée.
Donc, bah, n'inga bah, osa, mbongo, bah, on va donner 1 000 $ de plus. De plus. Bah, n'inga bah, osa, bah, 300. Donc, ça, n'a moi, 300 000, moro, boy. Y'a moro, kendaka. Matabis, n'a n'inga bah, côté, là, union sacrée. Là, osa, la bino, boy, a qu'on réagir. Toké, n'a réagi tout à la. Conférence de presse, y'a bah, député, élu, y'a, décidé. Bah, oui, bah, pensa qui, mongongo, bah, tombe là, mongongo, par rapport à l'écama palissade, bandakala, bah, le bac, bango, bah, kozo, y'a un côté. Toké, n'a réagi. Ils se sont réunis comme un seul homme devant la presse ce vendredi 25 juin 2021 pour donner leur position en rapport avec les dossiers 500 jeeps dont du président de la République. Les députés nationaux Ados Ndombassi, Jean-Baptiste Kasekwa, Charlotte Massiala et Jean-Bosco Mambo de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, parti cher à Martin Fayulu Madidi, ont annoncé officiellement leur refus à la dotation des 500 jeeps aux députés nationaux. Selon eux, ils ne peuvent ni être souscripteurs ni preneurs pour ces jeeps qu'ils qualifient d'une intention d'achat de conscience. Nous, députés nationaux élus de l'ESID, demandons au président Christophe Mboso Kodia, au nom de l'honneur et de la probité morale devant caractériser un homme d'État, de démissionner sans atermoiement de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Tantôt, c'est un achat effectué au moyen des frais de fonctionnement jamais inscrits dans les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale. Ces contradictions démontrent clairement que l'achat de ces jeeps procède des malversations financières dont il faut situer le degré. Invitons aussi les directeurs de la Banque centrale du Congo d'expliquer à l'opinion publique nationale sous quelle ligne budgétaire les sommes destinées à l'achat de ces 500 jeeps auraient été retirées du trésor public. Texture. Invitons l'ensemble des députés nationaux à exiger du bureau de l'Assemblée nationale de vendre ces jeeps. Comme il fallait s'y attendre, la réaction de l'honorable Ados Ndombassi ne s'est pas fait attendre après avoir été cité par son collègue Paul Chilumbu lors de l'émission Bosolo na politique officielle du mercredi dernier. Selon cet élu de la Tchangou, Ados Ndombassi aurait souscrit au bon des 500 jeeps que les élus nationaux doivent bénéficier. Au cours de ce même point de presse, le député national Ados Ndombassi a profité de cette occasion pour répondre à son collègue de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et de l'Union sacrée de la nation Paul Chilumbu au sujet de l'affaire des 500 jeeps. Cet élu de la Founa regrette et déplore qu'un professeur d'université, député national des surcroît, puisse passer dans le média pour raconter des mensonges. Pour que la vérité éclate au grand public, Ados Ndombassi souhaite un débat public avec Paul Chilumbu sur cette question. J'ai été sali dans une émission au Solo la politique par un honorable Paul Chilumbu. Et Zali Soni Mingi, quand je vois des professeurs d'université balles les canapes plateau à télé pour la rocosa lingwana. L'honorable Paul Chilumbu a été acculé par l'honorable Jean-Baptiste. Aïe baki n'a pas mélaté, aïe autant la komo la maïque, n'aï na souscrire nae mokolo moko. Je vais demander un débat à monsieur Paul Chilumbu, à condition aïe la bonne de commande au nga la signaki. Soyons sérieux. Ce qui moutou a sa souscription, c'est qu'il y a un dossier quelque part. Il faut dossier, ya. Ok? Et je le dis clairement, s'il prouve que moi j'ai signé, je démissionne de l'Assemblée nationale et je ne ferai plus de politique. Signalons que les 4 députés nationaux de l'ESID ont appelé le procureur général près la Cour de cassation à initier rapidement. Merci, Bandeko, dans la régie. Bonjour, papa, biso awa na boum boum, moyen te ma policier, ma koma, konyoko lo biso, le kinanga outi, moussala, zo kende ko soukola, ma policier, ma kote lieti na douche, ma bétiye, moyen, donc pas moyen, pona nini, ba oyu, ba tu oyu, ba salaka gikuluna, ba kangaka bangote, kaka, ba inonsa, wana congolais moko depuis commune, ya boum boum, honorable Ados Ndombassi.
Batobele, bah, qui passe, ma réaction comme Koya, dans le sens il y a 1000 dollars de plus, pourquoi avez-vous gardé silence pendant une année? Parce que l'Union Sacrée aujourd'hui a plus d'une année. Pourquoi avez-vous gardé silence? Que ça va congoler, que non, c'est de l'Union Sacrée ont un 1000 dollars de plus que vous autres députés aussi longtemps. Vous avez non celui là même dans le suffrage universel direct. Tout à fait. Non, mais je pense que d'abord, il fallait avoir l'information. Il fallait plutôt confirmer en haut. Et quand il y a eu certains amis de l'Union Sacrée qui nous ont confirmé cela, tu vois, nous avons dénoncé et nous le dénonçons. Il n'est pas normal aujourd'hui de traiter de manière différente les députés nationaux. Nous avons dit que la faille et le Kouébomi Kongo, c'est la corruption, cher ami. Kimouibi, égoïsme. Je vais te dire une chose hein, qui va peut-être te blesser. Obi, voilà, j'ai résolution Moko Narata Kongo Oyo. Nabanga sur Rwanda, tu vois, oh, na lobe la Rwanda, ti. Na lobe la sur Rwanda, ti. Na lobe la Uganda, ti. Na lobe la Burundi, ti. Ce sont des petits pays. Oh, bah, t'es le Libosa Kongo, ti. Mais si la RDC est faible aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des Congolais qui se sont comportés en traîtres. Il y a des politiciens congolais qui ont favorisé aujourd'hui que Rwanda soit ascendant sur Kolo Abisso. Il y a des agents de sécurité, des services sécuritaires. Il y a la République démocratique du Congo qui ont trahi la République. Il y a des militaires qui ont trahi la République démocratique du Congo. Nekolanga, aujourd'hui, ceux qui ont traître Nyoswana, je peux te dire que Makam Nyoswana, Rwanda, Burundi, Uganda, en 6 mois, une année, nous allons régler cela, cher ami. Aujourd'hui, il faut mettre dehors tous les traîtres de la République démocratique du Congo, même au niveau de l'Assemblée nationale. Et comment le faire? Je pense qu'on va rappeler que même Tata Mbusu, alors qui clairement, la député Moussous sortait des groupes armés. Et c'est une réalité. Donc certains députés aussi sont en train d'alimenter bah, groupes armés. Donc il y a des traîtres. On va y parvenir. Ça aussi, le j'aimerais dire ça, une autre chose. On a décidé le Romoko. Au bon endroit au Congo, s'il y a 200 ou 2000 professeurs, en tout cas, je ne peux respecter peut-être que 5 ou 6 professeurs. S'il y a 2000 professeurs, s'il y a 2000, on peut respecter 5 ou 6. Oh, bah ça, l'intégrité. Cher ami, parce que oui, Maïe, les Oyo, ce que ça, l'intégrité, t'es probité, zate, éthique, et atinate, ça devient dangereux pour la République démocratique du Congo. Quelle est l'Assemblée nationale? Au Royaume, peut-être, il y a peut-être 70 ou 80 députés, bah, ça dit, bah, professeurs d'université, cher ami. Mais s'ils sont 80, j'en respecte peut-être que 2 ou 3. Parce que tous les députés nationaux, au basé de la professeure d'université, c'est eux qui sont dans la corruption. Ce sont les premiers corrupteurs, ce sont les premiers corrompus. Ne dites pas ça. Alors, clairement, ceux qui basalis 70, je n'en respecte que 3. Donc c'est à eux de se choisir. Bah, 3 au basali intègre. Au basali la probité. Cher ami, le danger du Congo est à l'élite Snango. Nga ba ibisanga que l'intelligence est créative. L'intelligence est productive. Mais boni boni, maïe la Congo et bénéficier à la République démocratique du Congo, cher ami. Excuse-moi, cher ami. Sous qui ça? Nous avons eu en République démocratique du Congo des premiers ministres. Oyazala, professeur d'université. Plusieurs sont passés. Mais qu'est-ce qui a changé? L'intelligence est créative, est productive et positive. Mais biso maïe la bisonarata Congo. Et ça a toujours négatif. Bah, bonsoir, mon bispe Congo, mon cher. Là-bas, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés nationaux. Bah, oh, moi, je suis serviteur de Dieu. Oh, Raba, amen. Je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis un pasteur. Mais au Royoka, pasteur, voilà, a été aussi corrompu. Oh, mais pasteur, tu es un serviteur de Dieu. Comment tu te fais corrompre aussi facilement? Voilà les personnes qui ont tué ce pays. L'élite congolaise, c'est-à-dire les professeurs d'université. Je le dis encore. Je dis pas tous. Il y a certains qui ont l'éthique, qui sont intègres, mais aussi les pasteurs qui sont corrompus en République démocratique du Congo. Donc, mon cher, je pense qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle génération. Et c'est pour ça que je le dis encore. C'est un message que je donne à la jeunesse congolaise. Tu peux refuser une palissade. Le Congo ne vaut pas une palissade. Le Congo ne vaut pas 50 000 dollars. Le Congo ne vaut pas 1 million de dollars, ni 1 milliard ou 10 milliards d'euros. Le Congo est un patrimoine commun que nous devons tous protéger. Tout ce qui est production, bilan de la production parlementaire, avant tout côté moi, okay, la production sur terrain, la question assainie, vous avez pris la parole. Tout à fait. Le résumé, vous avez demandé à Nanga quoi au juste. Premièrement, Dekolangaï, Nanga est venu faire le rapport Yamakam et Asseni. Tout à fait. Tout à fait. Mais Dekolanga, les élections en 2018 se sont très mal passées. Il n'a pas été demandé à Corneille Nanga
de nommer soit un président de la République, soit un député ou les députés nationaux ou des députés provinciaux. Non. Il a été demandé à Corneille Nanga de rester neutre, d'être l'arbitre et de présenter les vrais résultats. Et nous savons tous, excusez-moi, qu'au niveau soit de la présidentielle, il y a eu cafouillage. Au niveau de la députation nationale, il y a eu un scandale. Au niveau de la députation provinciale, il y a eu plusieurs problèmes. Ndekonanga, en tant que député national, parce que nous nous considérons comme des résistants au niveau de l'Assemblée nationale. Des résistants au niveau des résistants. Des résistants. Quoi, parce que attendez, nous nous considérons comme... député. Non, je l'ai dit. Nous nous considérons comme avoir gagné les élections présidentielles en République démocratique du Congo. Et donc, pour Nanga, pardon, pour nous, excusez-moi, nous nous considérons pas comme une opposition, mais comme, pour comme des résistants. Voilà. C'est bon, en tout cas, la régie totale a l'élément où il y a les Cambois. C'est ni honorable à deux snobas, c'est plutôt au tika là, la dossier à. Il y a enseignement et c'est quand autre sous que ça serait à production parlementaire autre côté sur terrain token à régie Kambouya Séné. L'élu du district de la Founa, l'honorable Ados Ndombassi, a saisi l'opportunité de charger Corneille Nanga et son bureau lors de la plénière à l'Assemblée nationale du vendredi 9 avril 2021 avec des vérités fortes jusqu'au point de lui dire qu'il suyait la plénière. Ces affirmations sont à l'égard des résultats des élections de 2018 fourni par la Commission électorale nationale indépendante CENI, que Nanga dirigeait. Devant ses collègues et les bureaux de la CENI que dirige Corneille Nanga, le député national Ados Ndombassi a fait un bilan chaotique de la gestion de ces derniers à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Pour cet élu de la Founa, la présence du président de cette institution d'appui à la démocratie vient suyer ces temples de la démocratie car la mauvaise organisation des élections de 2018 est à la base de la crise qui s'observe actuellement au sein de la classe politique. Cette assemblée à ce jour est profanée. Profanée par la présence de M. Corneille Nanga. M. Corneille Nanga, votre présence sur ces lieux souille ce temple de la démocratie congolaise. La CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales. Élection qui devrait être crédible et transparente. Et nulle part, il a été demandé à M. Corneille Nanga ou à la CENI de fabriquer des élections ou de nommer des individus. Ceci a rendu nos institutions politiques d'une manière générale fragiles et non crédibles auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Au sortir de la plénière, Ados Ndombassi invite le membre du bureau de l'Assemblée nationale de mettre en place une commission d'enquête pour auditer de fort en comble le processus électoral de 2018 dont la question sera de dégager les responsabilités de tout un chacun. Cet élu de la Founa invite également Corneille Nanga à demander pardon à la population congolaise pour l'organisation des élections chaotiques de 2018. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme désordre dans le secteur politique, c'est parce qu'un certain monsieur Corneille Nanga a décidé de bousiller le processus électoral de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas à lui de faire des propositions, des réformes électorales. Nous avons demandé à M. Corneille Nanga de demander pardon au peuple congolais. Il a fait du mal au peuple congolais et nous lui avons demandé de demander pardon. Une question se pose, n'y a-t-il pas moyen d'analyser froidement cette question de la gestion de la CENI et ce qu'a dit le député national Ados Ndombassi, surtout que tout le monde avait reconnu que les élections de 2018 à tous les niveaux ont été mal organisées. Merci Bande Kouza la régie, honorable Ados Ndombassi, au sein de la même commission Mokwetia Mapona Kotala. Le Lengenine élection à Nesalemaki, mais c'est trop tard aujourd'hui. Il y a une nouvelle équipe qui s'est mis la tête à Séni, malgré que nous avons tout le monde. Est-ce que la Nengi Makambo Salemaboué, là, quand vous êtes, vous y croyez vraiment qu'il y aura élection et puis vous pensez avoir des chances, il y a Kouganyango. Des chances, pas dans le sens, il y a Kouken des favoris, mais Boukenda G égale. Je le redis encore, que Bisson Nangama Lamouka, nous contestons l'investissement, la position Yakadima aujourd'hui. Okay. Nous disons non à cela. Dès qu'on en aille, je le redis encore, n'allons pas droit vers un mur. Il est important, cher ami, Toye Babayre Nabiso Isalini. Ce que nous voulons aujourd'hui,
C'est une CENI dépolitisée. Nous l'avons dit clairement, cher ami. Aujourd'hui, il y a la Coupe d'Afrique des Nations au Isos Salama. Natalaki, premier match entre Cameroun et Burkina Faso. Ouais. Natalaki, arbitre Aoutaki Wapi. Arbitre Aoutaki, ni na Cameroun, ni na Burkina Faso. L'arbitre Aoutaki na terrain moko neutre. Nous savons tous aujourd'hui que M. Kadima Azali na position moko très penchée vers l'UDPS, donc vers l'Union Sacrée. Ce que nous voulons, c'est qu'on trouve une personne qui est neutre. Mais malheureusement, Ndeko Félix Tshisekedi ne veut pas nous entendre. Mais nous savons tous que nous allons droit vers un mur, Nkolanga. Mais je pense que le politique a besoin de discuter, de dialoguer pour avoir des meilleures élections en République démocratique du Congo. Merci, malgré que Ndeko, question à mon tour, pour le Belangot, on a eu une intervention sur Rosali, intervention dans le Kambetali, le Kambouya EPST, enseignement primaire et secondaire, formation à Banabiso. Résumé il y a 10 secondes avant que Ndeko na Ndeko moko depuis Philippe depuis Pigeon Atuni abina tout honorable à deux nombres. Quelle a été la réaction de Nanga après sa préoccupation? Je pense qu'il a été choqué. Okay. Il a été choqué, il pensait pas que Mutako le belé Ndengwana. Et il faut savoir que tant on a zo le belé Nanga, bah député Moussousu, bah zo le Nanga. Donc c'est-à-dire que ça dit bah député o Nanga noma. Bref, cher ami, il ne faut plus revivre l'élection chaotique en République démocratique du Congo. 2006, il y a eu du sang qui a coulé. 2011, pareil. 2018, pareil, cher ami. Faut-il encore avoir des élections chaotiques en 2023? Mais t'as là aujourd'hui. Cher ami, tu sais, Nalobarana Batou, hein, au moni constitution, Ezali Maman Nabiso, la constitution. Tu ne peux pas violer ta mère. Et tu ne peux pas avoir des enfants avec ta mère. On se comprend. Les no-oyo, les politiques congolais, ont des enfants avec leur mère. C'est l'inceste. Le gouvernement est le produit d'un inceste. On se comprend. Nous avons aujourd'hui une assemblée nationale incestueuse, malheureusement. Parce que nous ne respectons pas. Mais c'est une réalité, cher ami. Je le redis encore. Peux-tu violer ta mère? Non. Tu ne peux pas avoir des enfants avec ta mère. Mais aujourd'hui, chaque jour, nous violons des enfants. Et nous avons des enfants avec notre constitution. Avec notre maman. La CENI, elle est incestueuse. La Cour constitutionnelle, c'est pareil. Donc, la régie totale a intervention à yo, mon ministre a pesté à Zala qui est dans l'Assemblée nationale. Oui, au cas. Honorable de ce nombre, c'est pas toujours le belé, mais il y a une insécurité. Il y a une insécurité, mais il y a une insécurité. Il y a une raison. Lorsqu'ils sont incapables de satisfaire les attentes de la population dans leur secteur. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour démissionner afin de sauver votre honneur? La mauvaise gestion de votre secteur a exposé à la lumière du jour la défaillance de l'État que vous tentiez désespérant de camoufler derrière l'incontinence des promesses épidermiques. Pendant que le ministre prend un vilain plaisir à promettre ce qu'il ne peut réaliser. La qualité de l'enseignement est lamentablement affectée. Honorable Président, je suis ici pour défendre le peuple congolais. Je défends les Congolais qui se trouvent en Ituri, au Nord Kivu, partout en République démocratique du Congo. Je ne céderai pas à l'intimidation. Honorable Président, à la vue de ce tableau sombre, il n'y a aucune excuse qui peut dédouaner le gouvernement de sa responsabilité, j'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Ados Nomasi, na moni na vidéo na tokomi pena na suka na moni na vidéo na ba tozo olola yo eza ba député to ezali ba assistant parlementaire. Mais déjà tu yamba qui le ministre Tony Mwaba qui est l'un de vôtres qui est un ancien député là pour le moment je le critique en tant que ministre. Et non en tant que député. Et non en tant que député, Dekonama. Il a montré un amateurisme. Il faut qu'on se le dise, cher ami. Banana Bissou a sali 2 mois. Batang a raté. Mais l'eau qu'il est qu'il y a un jour, voilà. Bah, député national, bah, télémi, bazo, bétélé, maboko. Bazo, ovationné. Et. Parce que les gens ont compris que le problème, Zagui. Mais non, c'est pas possible, cher ami. Quand on est ministre, quand on est politique, on est là pour trouver des solutions. Les enfants ont fait 2 mois, batanguité. Mais les députés nationaux, ouais, ils ont sacré, bah, bételé, ma beaucoup. Mais autre chose,
Tony Mwaba, aïna ba militant UDPS. Ba yoko bete le maboko. Ba woloni nga. Parce que la sengi a démissionné. Ba uye nga. Mais na souka. Ba yoko se nga pardon tana binibana. Honorable, nimi sanga. Ba pese biso a 20 000 francs. Ba 10 000 francs. Ba pese biso a 20 000 francs. Ba 20 000 francs. Oh, ba kaseke kanenge zala. Ce que moni na semaine nationale ba doa toni. C'est-à-dire que corruption est amoulé ba 20 000 francs ba 10 000 francs. Mais nabi si bango. Comment se fait-il que nga na zo kote la bino. Abi honorable, zan a raison. Nakout mon ananga, ça dit des mois tant raté. Mais yo, on l'a pour la mini kuna. Vous comprenez? C'est ça le problème du Congolais. Nicolas, 20 000 francs Congolais, tu vas sacrifier tout un peuple. Et c'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas céder à l'intimidation. Naibisi Bango Boué, ici, je défends les Congolais aux Anaïtour, Inanor, Kivu, partout Nakata Congo. Au côté de la quoi intimider à Dos Nomba Cité, je fais mon travail avec cœur pour défendre la République démocratique du Congo. Mais malheureusement encore, certains vont dire qu'Ados Tomasi est populiste. Bon, non, on peut ça numéro dans le téléphone. On peut ça numéro dans le téléphone. 099-11-972. 099-11-972. Ok. Et sinon, tu peux, Ados Tomasi, Banikina. Ados Nombasi Baniki n'a Facebook n'a pas. Mais téléphone 099-99-11-972. Et j'ai une grande activité le 17 janvier, la Brigade Orange. Parce que sur le plan politique, je suis essidé. Mais j'ai une asbelle qu'on appelle Brigade Orange. Et Zali Bato Bazo soutenir Ados Nombasi. Donc si vous voulez, aux jeunes, au link quoi adhérer à l'asbelle, la mission Brigade Orange, nous faisons des activités, aider les jeunes, aider les orphelins, les vieillards. Bref. Venez adhérer à la Brigade Orange le 17 janvier à 7h. Nous avons une grande marche pour la victoire. 099-99-11-972. Merci à la grande équipe. Merci Alva Image. Vous avez vu ce qu'il faut Nafunda, Nafunda. Alva Image, stocké Nafunda. Nafunda, c'est bon. Nafunda, c'est bon. Population de Sengia. Nam t'as vu jouer là, je n'ai pas. Tant papa comme retourne la situation à famille, moi nous à fond d'Agabato. Merci Tata Mokonze Kolo, mon nom Funda Rabato aye. Na yo ki passe peuple à l'élite Tata Mokonze Kolo, tala message et ton de téléphone n'angaye. Tata Mokonze Kolo, peuple a ébité combien de députés à Zouaka. Le col est molima. Mais révélation au ebimi awa. Batumsusu ba koti banda kuba beli. Bayo kake ba député union sacrée ba baxela rabango $1,000 na oyo bandeko nyoso bazwaka tata mokonze ekolo likambo esali population passe lukalo no vérifier ba libelaka yango ndenge nini $1,000 oyo bapesaka ba député de surplus na rubrique nini batiaka yango po mbongo na bango yebani ebongo na rubrique nini $1,000 wane bimelaka tata mokonze ekolo esali passe soke ezali bongo peuple yebaka. Pour eux, ils ne se comportent pas. Ils ne se comportent pas. En 2023, ils ne poussent pas de tortilles. Ils ne font pas le cycle.